sonné. Eh, Mia. J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous, chers parents, chers amis, chers frères, chers soeurs. Le président. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien égal, complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi, dans la paix, moi, vous laissez-moi mourir, c'est un cœur plein de droits, le padrino, camarade, des ou la moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de vaccin que les Européens préparent pour aller déverser sur le continent africain. C'est très important de rappeler aux Noirs que leur vie est en danger. Oui, la vie des Noirs est en danger et donc il faut prévenir, mieux vaut de prévenir que de guérir. C'est très important, mais avant ça, nous allons parler de ce grand geste que Debordo avait fait hier vis-à-vis de son frère appelé le général Camille Makoso. Nous remercions ce geste vraiment magnifique, ce geste qui a relevé Makoso, qui a permis à Makoso de reprendre le goût de la vie. C'est très important parce que nous avons dénoncé ça ici sur les réseaux sociaux, des gens qui se levaient le matin à tort ou à raison en train d'accuser le général Makoso d'être le bourreau de sa défunte femme, oui, Kosere Tatiana Makoso. Et nous avons dénoncé cela, on dit que ce n'est pas bien, ce n'était pas normal de voir une personne en train d'agoniser, une personne en train de souffrir, une personne en train de subir, une personne stressée venir accuser encore cette personne dans son stress, ce n'était pas bien. Et que si cette dernière n'avait pas un moral d'acier, elle risquait de se donner la mort. Et donc, s'il mourait suite au tir orienté vers sa personne, ça allait être de votre responsabilité. Et donc, pour cela, on avait dénoncé cela et on a demandé aux gens de faire attention et que la femme n'était pas morte suite à une bagarre ou bien suite à une bastonnade venant de la part de son époux et qu'elle était morte à cause du AVC. Elle a eu un AVC et c'est cet AVC qui lui a donné la mort. L'époux, ne sachant pas cela, il luttait, il essayait de la ramener en vie. Mais malheureusement, il ne connaît pas les signes d'un AVC. Il ne sait pas si un AVC, ça prend une personne. Il ne sait pas comment ça se manifeste. C'est comme ça qu'il a pris l'épouse pour la mettre dans son véhicule et l'accompagner à l'hôpital. Malheureusement, le premier médecin a refusé de les recevoir. Il leur a demandé d'aller dans une autre clinique. Étant sur la route, elle est morte dans la voiture. Donc, vous avez accusé le monsieur pour rien. Vous avez détruit sa réputation. Vous avez nui son nom. Et ce n'est pas bien. Aujourd'hui, des gens
Ils sont encore dans le doute. Ils pensent que le général Makoso est un criminel. Ils pensent que le général Makoso est un meurtrier. Or, ce qui est faux totalement. Debordeaux, que vous aviez soutenu hier, lui-même qui avait accusé le général Makoso, parce que n'oubliez pas, il y a le frère, hein, de l'épouse. De l'épouse, bon, je ne peux plus dire épouse parce qu'elle est déjà partie. Il y a le frère de la défunte, hein, de l'épouse de Makoso, qui est l'ami de Debordeaux. Donc, Debordeaux poussait ce dernier à aller porter plainte contre son beau-frère. Mais avec le temps, lui-même en question, l'artiste Debordeaux a compris qu'il était sur un faux chemin. Et que toutes ces accusations envers le général, ce n'était pas fondé sur quoi que ce soit. Il n'avait pas des arguments solides. C'était des suppositions. C'était du baratin, tout ce qu'il faisait. Et il y a des gens qui ont cru en lui, il y a des gens qui ont fait confiance à Debordeaux en le suivant dans sa démagogie idéologique. Et donc, des gens ont commencé à boycotter Makoso. Je salue d'ailleurs au passage tous les cyberactivistes qui étaient en clash avec le général Makoso et sa sœur Lolo Beauté, qui par la suite, lorsqu'ils ont appris la mort de l'épouse de Makoso, cette défunte, Kosere Tatiana Makoso, ils ont apporté leur soutien au général, ils ont apporté leur soutien à la famille de la défunte. Je les salue de passage. Parce qu'on peut faire la guerre, on peut faire des clashs, mais lorsqu'il y a mort d'homme, on doit avoir quand même, hein, l'humanisme. Ça doit nous pénétrer et on doit avoir vraiment pitié pour la personne qui a perdu un être cher. Mais vous qui êtes des démoniaques sadiques et vous critiquez une personne qui a perdu un être cher, qui souffre, qui agonise, et vous l'enfoncez dans sa souffrance, c'est mauvais. Vous n'êtes pas différent du diable parce que vous êtes l'incarnation directe du diable. Et il y a certains pasteurs, au lieu d'apporter leur soutien, même si la tête, le crâne du général vous énerve tant, si général Makoso, il vous énerve, mais ce n'est pas le moment de lui déclarer la guerre. Ce n'est pas le moment de torpiller son nom. Ce n'est pas le moment de le dénigrer aux yeux de tous et de toutes. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des pasteurs qui se sont permis cela, qui ont fait cela. Mais vos fidèles que vous enseignez matin, midi, soir, l'amour, il faut avoir l'amour du prochain. Mais comment vos fidèles vous jugeront? Voilà la vraie question fondamentale que nous vous posons. Quand vous prenez l'amour aux fidèles, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et vous les mêmes, vous venez sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos et dénigrer vos prochains qui, eux, subissent, hein, la douleur parce qu'ils ont perdu un être cher. Vous venez les enfoncer. Où est passé cet amour que vous prenez, hein, dans vos églises, que vous prenez envers vos fans, vos fidèles? Mais cet amour a disparu. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas des vrais pasteurs. Et que vous êtes des vrais démons, des vrais marmailleurs. Donc, entre vous et Makoso, qui fait la marmaille? Mais c'est vous qui faites la marmaille, puisque Makoso a démontré qu'il n'est pas un marmailleur. Si c'est Makoso qui était à votre place, non seulement il allait vous faire un geste matériel, il allait vous saluer matériellement, parce qu'on peut aussi faire la salutation matérielle et la salutation verbale et aussi la salutation physique. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je précise les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est Makoso, je le connais, c'est mon type, c'est mon client, c'est un ami à moi. Il n'est pas mauvais. Makoso est différent. Quand il vient sur les réseaux sociaux, ce qu'il dit, et quand vous le croisez comme ça, ce qu'il fait, c'est différent. Donc, Makoso a plusieurs personnalités. Ne le voyez pas derrière vos écrans pour penser que c'est un démon. Il n'est pas un démon. Ce monsieur est un bon type. Et je remercie le geste de Debordeaux qui a pris conscience qu'il était sur un faux chemin et que ce qu'il faisait, c'était la haine qui le rongeait. Mais avec l'intervention du Saint-Esprit, Debordeaux a mis la haine de côté et il a pris la veste de l'amour. Oui, la veste de l'amour, il a compris ce que c'est que le sens du véritable amour. Il s'est déplacé avec ses collègues pour aller au domicile du général Makoso et lui apporter un soutien. C'est ce qu'on dit, un homme est grand.
avec tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Vers la fin, il a reconnu qu'il avait tort. Et lorsqu'il a vu le concerné en direct, il a su réellement qu'il était atteint, qu'il était abattu et qu'il n'avait plus de force pour résister. Et que ce n'était pas le Makoso qui parlait sur les réseaux sociaux qu'il venait de voir. Parce que ce monsieur, il n'était plus dans son propre corps. L'homme qui était devant lui, il ressemblait à un mot habillé parce qu'il ne tenait plus sur ses jambes. Général Makoso, Yako à vous, de Bordeaux, vraiment, je suis fier de vous. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous, vous avez entraîné beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains derrière vous qui ont eu la haine contre le général Makoso, qui eux aussi ont profité pour dénigrer le général Makoso, qui ont accusé à tort ou à raison le général Makoso, qui ont nui l'identité et le nom, l'image du général Makoso. Donc, des gens pensent que le général Makoso est un assassin. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Mais en même temps, vous avez lavé l'image du général en vous rendant chez lui à domicile. Donc, vraiment, courage. Et j'appelle tout le monde, tous ceux qui, dans le passé ou actuellement, qui ont cette idéologie, qui pensent que le général Makoso aurait tué son épouse, vraiment, détrompez-vous, enlevez cette mentalité sadique, démoniaque en vous. Parce que il n'est pas, ce n'est pas le moment de penser à ces genres de choses. Ce n'est pas le moment à accuser des gens. Ce n'est pas le moment à penser que le général serait à la base de quoi que ce soit. Non, c'est une mort naturelle. C'est Dieu qui est venu chercher cette dame parce que son heure était arrivée. Nul ne peut faire quoi que ce soit sans la volonté de Dieu. Cela est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui permet tout. Donc, si elle est morte, c'est la volonté de Dieu. Il faudrait que vous acceptiez la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et donc, tous ceux qui avaient fait des vidéos pour dénigrer le général Makoso, écoutez, faites d'autres vidéos pour vous racheter devant Dieu. Et non devant Makoso, parce que Makoso n'est pas Dieu pour vous juger. Mais rachetez-vous devant Dieu en mettant la haine de côté pour prôner l'amour. C'est important dans vos vies et dans la vie de vos familles. Je pense que c'est clair. Maintenant, ce n'est pas une vidéo pour durer. Revenons sur le plan médical, sur le plan du vaccin que les Occidentaux préparent pour aller déverser en Afrique. Et ils veulent tester ces vaccins sur des prostituées africaines. Mais est-ce qu'ils sont normaux là, hein? C'est-à-dire, ils n'ont aucune considération pour le noir. Non, on va aller tester ça sur les prostituées. Donc, c'est en Afrique seulement il y a prostituées. Pour ceux qui ne savent pas, en Belgique, ici, les prostituées sont versées ici. Elles sont dans la vitrine. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y à Bruxelles. Il y a un endroit qu'on appelle Gare du Nord. Gare du Nord, lorsque tu sors de la gare, vous allez voir deux grands bâtiments qui sont là. Mais ces bâtiments sont vitrés. Et quand vous regardez dans les vitrines, il n'y a que des prostituées qui sont là-bas. Il y a toutes sortes de couleurs, noires, blanches, rouges, jaunes. C'est moi qui vais citer toutes les couleurs que vous pouvez imaginer sur cette terre. Ces gens-là sont là-bas. Elles font quoi? Mais elles se vendent. Quand vous partez, elles sont nues. Elles sont toutes nues. Elles font quoi? Elles se vendent. Pour ceux qui veulent aller se satisfaire, ils vont là-bas et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc, si ces gens cherchent des prostituées pour faire leur test de vaccin, mais qu'ils viennent à Bruxelles ici, il y a des prostituées qui sont là-bas. Et même à Liège, où je suis, il y a un truc de prostitution qui est là, un bâtiment. Il y a des gens qui se vendent là-bas, des filles qui sont remplies là-bas. En tout cas, dans toutes les villes de la Belgique, chaque ville a un endroit où se situent les prostituées, mais elles sont dans des vitrines. Que ce soit à Liège, que ce soit à Anvers, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Namur, c'est moi qui veux citer, mais si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Mais en tout cas, elles sont versées ici, waouh. Donc, s'ils veulent faire des tests sur des prostituées, mais qu'ils viennent ici. Mais je connais aussi à Paris. À Paris, quand vous partez à Château Rouge, mais à 18h, mais les filles qui sont arrêtées sur les rues de Château Rouge, mais elles ne sont pas arrêtées là pour faire du commerce. Je dis commerce, elles ne sont pas arrêtées là pour aller, je ne sais pas, aller travailler chez des patrons. Elles viennent pour se vendre.
Il y a toutes sortes de couleurs, noires, blanches, arabes, c'est moi qui vais citer, chinoises, elles sont versées là-bas, métisses, elles sont là-bas. Donc, s'ils cherchent des prostituées pour faire des tests, mais qu'ils aillent à Paris, à Château Rouge, à 18h, 19h, vous verrez, et de toutes catégories, ils pourront trouver des prostituées pour faire leurs tests, pour voir si le vaccin marche. Mais pourquoi, coûte que coûte, ils veulent aller sur le territoire africain pour tester un vaccin qui serait l'antidote du COVID-19. Eux-mêmes qui souffrent de cette maladie, ils cherchent un remède. Ils n'ont même pas encore trouvé le remède. Genre, ils ont déjà un vaccin qui peut lutter contre le... Mais vous mourrez ici en Europe. Il n'y a que en Amérique seulement, une journée hier, il y a eu 1 300 morts en une journée. En Italie, 800 morts. En France, 400 quelque chose de mort. En Belgique, il y a déjà. Donc, vous comprenez que des gens meurent comme des poulets, des gens meurent comme des fourmis ici en Europe et en Amérique. En commençant par la Chine, en venant vers l'Europe et l'Amérique. Mais si vous avez un vaccin qui est anti-coronavirus, mais vaccinez votre population. Puisque votre population a plus besoin de ce vaccin que la population africaine. Parce que ce que la population européenne subit en ce moment, la population américaine subit en ce moment, mais cette population africaine ne subit pas ça pour le moment. Même si la maladie est présente, on le sait, mais ça ne cause pas assez de morts de la manière que ça cause les morts ici. On dit non, on n'a pas un bon système sanitaire solide en Afrique. Donc il faut envoyer un vaccin là-bas. Ok, il n'y a pas de souci, mais vous qui avez un bon système sanitaire solide, un bon système hein, qui représente, qui est un système solide comme l'inox, comme le fer, on voit de la manière vous traitez vos patients ici. Vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, c'est vous qui méritez le vaccin. Faites le vaccin d'abord sur vous. C'est ça. Voilà les Italiens qui cherchent solution. Mais si vous avez un vaccin anti-COVID-19, allez-y vacciner les Italiens. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils pleurent. Ils cherchent une solution. Ils cherchent des gens qui peuvent leur donner un médicament pour mettre fin à la propagation de cette fameuse maladie. Mais vous nous dites que vous avez un vaccin et que vous voulez aller tester ça sur les Africains. Mais allez-y tester ça sur les Européens. Les Italiens, ils ont besoin de vaccins. Ou bien le peuple, la population italienne ne veut pas se faire vacciner parce qu'elle meurt là. Elle meurt à longueur de journée. Voilà les Américains, première puissance mondiale économique, qui souffrent. Hier seulement, il y a eu 1 300 morts. Et aujourd'hui, ils vont encore avoir des morts. Donc, des gens qui ont besoin de vaccins, mais allez-y vacciner les Américains, là. Ils ont besoin du vaccin. Parce qu'à longueur de journée, des gens meurent comme des poussins, des poulets, je ne sais pas, des chenilles aux États-Unis. Donc, aussi, hier, il y a eu 1 300 morts. C'est que le chiffre va s'élever de jour en jour. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui encore, je ne sais pas, peut-être ça va atteindre 2 000 morts sur le territoire américain. Et donc, ces gens qui meurent en pagaille, comme des criquets, ils n'ont-ils pas besoin d'un vaccin? Vous comprenez, lorsque vous procédez de la sorte, nous comprenons que ce vaccin, il y a un problème derrière. Peut-être comme le peuple africain ne meurt pas de la manière que le peuple européen meurt, le peuple africain ne meurt pas de la manière que le peuple Américains meurent, alors il faut procéder à un vaccin pour empêcher les femmes africaines de faire enfant, d'enfanter en fait. Parce que j'ai fait des recherches. Ce vaccin est dédié aux Africains pour empêcher la procréation africaine. Parce que eux, ils pensent que l'Afrique procrée beaucoup. Les femmes africaines, elles font beaucoup d'enfants. Une seule femme peut faire beaucoup d'enfants. Donc, pour empêcher cela, puisque leur dire de ne plus faire enfants, ça sera une catastrophe. L'Africain ne va pas accepter ça. De nature, l'Africain, il fait beaucoup d'enfants. Et donc, aller dire à un Africain de ne plus faire enfants, vraiment, il va se rebeller contre toi. Il ne va pas accepter. Qu'est-ce que tu vas faire à l'Africain pour qu'il puisse dire non, je ne fais plus d'enfants? Tu ne pourras pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vacciner les petits enfants. Les enfants de bas âge, de 3 à 6 ans ou 10 ans, comme ça, cette génération ne pourra plus procréer. Donc, lorsqu'elle va grandir, elle va avoir 18 ans, 20 ans, elle ne pourra plus enfanter.
Et donc, si les Africains laissent ce vaccin se déverser sur le territoire africain, vous verrez d'ici 15 ans, 20 ans, excusez-moi, d'ici 15 ans, 20 ans, la génération à venir ne pourra plus faire d'enfants. Et c'est malheureux, c'est regrettable. Et ce qui me préoccupe, c'est la position des chefs d'État africains. Parce que ces gens-là vont accepter. Quand l'OMS, Organisation Mondiale de Santé, c'est ce d'après la signification, va demander à nos dirigeants africains d'accepter. Et que s'ils n'acceptent pas, ils n'auront plus d'aide venant de la part de l'ONU, ou bien d'aide venant de la part du FMI, ou bien d'aide venant de la part des pays occidentaux, tout de suite, ils vont s'incliner, ils vont accepter. Et donc, au peuple africain, vous devez le savoir. Mais ce qui est encore grave, c'est qu'ils vont faire une campagne de propagande pour essayer de berner le peuple africain qui, souvent, de façon générale, n'est pas bien cultivé, ne connaît pas les réalités et ne sait pas ce qui se cache derrière ce vaccin qu'ils vont aller leur proposer. Ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissements. Ils ne connaissent pas les causes profondes de ce vaccin. Ils ne connaissent pas la catastrophe qui se cache derrière ce vaccin. Ils ne connaissent pas les conséquences cachées derrière ce vaccin. Mais ils vont leur faire croire que ce vaccin est là pour leur sauver la vie contre le COVID-19. Or pourtant, aujourd'hui, le peuple qui a tant besoin d'un vaccin pour se protéger contre le COVID-19, c'est le peuple européen. Parce que c'est ce peuple qui subit assez de dégâts envers cette maladie. C'est ce peuple qui souffre, qui a au moins 1 000 morts par jour. Oui, 800 morts, 300 morts, 400 morts, 500 morts, 1 200 morts, 2 000 morts par jour. Mais l'Afrique, quand vous prenez toute l'Afrique qui subit cette histoire de COVID-19, il n'y a pas encore eu 100 morts. Quand vous faites le bilan des morts de tous les pays africains, les morts en Afrique n'atteignent pas encore 100 personnes. Donc, vous comprenez. Les morts des gens qui ont été tués par le COVID-19, depuis que ça a commencé, depuis que cette maladie est quittée sur le territoire chinois pour s'abattre sur le territoire européen, sur le territoire africain et américain, les Noirs, quand vous faites le total des gens qui sont morts, ils n'atteignent pas 100 personnes en Afrique. Et donc, ces Blancs, ils sont écœurés, ils sont fort étonnés, ils se demandent comment se fait-il que un continent sur lequel le système sanitaire n'est pas à la pointe, le système sanitaire n'est pas de haut niveau, le système sanitaire qui subit la politique de nos gouvernants, le système sanitaire qui manque de matériel, comment se fait-il que ce peuple ne meurt pas du COVID-19? Comment se fait que ce peuple tient le coup? Comment se fait que le peuple africain qui n'est pas dans sa globalité, dans sa généralité, confiné de la manière les Européens s'enferment, de la manière nous nous enfermons ici en Europe, de la manière on interdit de sortir en Afrique, des gens ont le droit de sortir la journée et la nuit avant 21h, ils doivent rentrer là où ils sont quittés. Comment se fait-il qu'ils ne meurent pas comme des poussins, ils ne meurent pas comme des chenilles, ils ne meurent pas comme des fourmis? Alors, ils se posent tant de questions et ils se demandent que ce vaccin était peut-être ce virus était destiné à la population africaine pour anéantir cette population parce qu'ils étaient conscients dans leur plan global et dans leur politique d'anéantissement envers le peuple africain que si cette maladie atteignait le territoire africain, les Africains allaient beaucoup subir que les Européens et ça allait permettre à cette gouvernance globale appelée la globalisation de réduire la population africaine. Et ils allaient venir en arrière pour dire, bon, quand vous subissez assez le COVID-19, on va vous injecter un fameux, je ne sais pas, un fameux vaccin. C'était ça dans leur plan. Maintenant qu'ils ont relâché cette maladie qui est devenue une pandémie parce qu'eux-mêmes, ils ont été surpris de la catastrophe que ce virus COVID-19 leur fait subir. Alors, n'étant plus à la pointe de la technologie pour pouvoir maîtriser ce virus, ils pensaient que les Africains allaient encore subir cela. Mais
Dieu, il fait le miracle. Dieu fait quelque chose et il constate que ah, le peuple africain ne met pas, mais ce sont eux qui subissent. Donc, leur vaccin qu'ils avaient programmé, au moment où le peuple africain allait commencer à mourir, ils allaient se dépêcher pour dire non. L'OMS demande aux médecins sans frontières d'aller faire vacciner le peuple africain dans le but d'empêcher les femmes africaines et les hommes, bien sûr, de procréer pour ne plus multiplier le continent africain. Ils constatent que non, ce n'est pas le cas. Mais quand même, ils s'entêtent. Quand même, ils veulent coûte que coûte utiliser cet argument pour dire non, on doit aller les vacciner parce que si on ne va pas, la maladie est déjà là-bas, ça ne sème aucun chaos. Il faudrait que nos présidents le sachent. Cette maladie est déjà en Afrique. Ça ne sème aucun chaos. C'est déjà arrivé là-bas. C'est déjà arrivé là-bas. Mais le premier jour, quand ils ont découvert ça en Italie, est-ce que ça a mis même une semaine pour que des gens commencent à mourir en désordre en Italie? Non. Ça n'a même pas mis une semaine. Ça a mis quelques jours. Et puis les gens ont commencé à mourir comme des poussins. Mais en Côte d'Ivoire, c'est arrivé là-bas. Là. Ça fait combien de semaines? Bientôt, on va dans un mois. La maladie est là-bas. On détecte, hein, le taux élevé des personnes contaminées, mais les morts. Déjà, même les gens contaminés guérissent. Ils retrouvent déjà la guérison. Ceux qui sont contaminés guérissent déjà. Les individus contaminés guérissent déjà. Même si le taux s'élève, mais en même temps, il y a des personnes qui s'en sortent. Donc, la maladie ne sème pas le chaos, ne sème pas la mort. Or, à Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a beaucoup de vieilles personnes, mais ces vieilles personnes ne meurent pas sous le coup de trucs de cette maladie. Donc, les Européens, ils se disent, mais notre plan ne marche pas, apparemment. Mais quand même, on doit sensibiliser les gens pour leur dire, non, on doit intervenir pour faire un vaccin pour empêcher le peuple africain de mourir. Ah, rien. Nous, on connaît déjà la maladie, on sait qu'il y a coronavirus en Afrique et les Africains ne meurent pas. On n'a pas besoin de vaccins. On a nos plantes anti-palu. Et ces plantes soignent les Africains. Les Africains ont déjà l'antidote du coronavirus. Ne venez pas injecter n'importe quoi dans le corps du peuple africain. Parce que c'est ça leur politique. Et ce qui me fait mal, c'est que nos présidents vont accepter. Un Dramane Ouattara comme ça, vous pensez qu'Alassane Ouattara puisse résister devant la France? Vous pensez qu'Alassane Ouattara puisse résister devant l'OMS? Vous pensez qu'Alassane Ouattara puisse résister devant l'ONU? Vous pensez qu'un Alassane Ouattara puisse dire non, je ne veux pas le vaccin sur le territoire ivoirien? Non, Alassane Ouattara va accepter. Parce que ces gens ont leur compte bancaire à l'étranger. Ils ont leur compte bancaire dans les paradis fiscaux. Ces gens ne peuvent pas résister devant le plan global, hein, des globalistes, du gouvernement mondial qui est mis sur pied par les élites, hein, de l'Europe ou de l'Amérique. Ils ne peuvent pas résister parce que résister contre eux est égal à se créer des problèmes eux-mêmes. Et ils vont confisquer leurs biens. Donc, pour ne pas confisquer leurs biens, ils sont obligés de vendre tout un peuple, de vendre tout un continent et de gâcher l'avenir de toute une génération. Et c'est ça le problème en Afrique. C'est au peuple de se lever. Si jamais vous voyez les médecins sans frontières disent qu'ils veulent vacciner les Africains dans le but de lutter contre le coronavirus, mes frères, chassez-les, tabassez-les partout où vous allez les croiser et dites-leur de quitter votre territoire. Même si le gouvernement s'oppose à vous, s'ils arrivent dans vos villages, tabassez-les, chassez-les. Parce que avant eux, avant qu'ils ne viennent là-bas, coronavirus n'avait pas encore fait de mort. Avant qu'ils n'arrivent là-bas, on vivait cette maladie, les gens ne mouraient pas. Faut pas, ils vont utiliser cette maladie pour aller empêcher le peuple africain de procréer. Parce qu'ils ont peur. D'ici 2050, les Africains seront au moins entre 2 milliards et 3 milliards. Et ils ont peur de voir le peuple africain se multiplier. Or, leur vision globale, c'est de s'accaparer de l'Afrique. Or, s'accaparer d'un continent dans lequel une nouvelle génération, avec une nouvelle idéologie, viennent. Donc, du coup, ils ont du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher encore des nouveau-nés en Afrique pour permettre aux gens qui sont déjà nés de mourir. Parce que suite à ça, encore, ils vont envoyer d'autres microbes qui vont anéantir ceux qui sont déjà là. Mais plus que ceux qui sont déjà là, ils peuvent procréer. Mais leurs enfants ne peuvent plus procréer parce qu'ils vont les vacciner. Donc, la génération qui va venir, elle va grandir, mais elle ne peut plus procréer.
Et quand ils vont créer les guerres, ils vont tuer cette génération qui peut procréer. Vous comprenez déjà que c'est la catastrophe. Et l'Afrique va diminuer. Les Africains vont plus essayer de mettre au monde. Ils vont se réduire. Ils vont se réduire et avec le temps, des gens vont disparaître. Ils vont dire, bon, il y a plus de mortalité que de natalité. Et ils vont toujours faire des bilans pour dire, bon, les gens meurent beaucoup en Afrique. Ils vont encore continuer. Et c'est comme ça qu'ils sont allés faire en Amérique. Ils ont tué les Indiens. Parce que les Européens sont quittés en Europe pour aller sur le territoire américain. Mais ceux qui sont aux États-Unis, ceux que vous voyez, les blancs brésiliens, les blancs, en tout cas dans tous les pays de l'Amérique, tous ceux qui sont les blancs, ils viennent de l'Europe. Mais ces blancs, comment ils ont fait pour s'imposer dans ces pays-là? Ces blancs, quand ils sont quittés en Europe, ils ont envoyé des maladies pour tuer les Indiens qui étaient sur ce continent. Et comme les Indiens n'avaient pas d'antivirus, mais ils sont morts par des milliers, sinon que par millions d'individus. Et ils sont partis là-bas comme quoi des sauveurs. Et c'est eux qui prenaient maintenant les décisions. Maintenant, quand tu es en position de faiblesse, tu fais comment? Mais tu t'abaisses. Si l'autre dit là la solution, c'est lui maintenant qui va te dicter ses règles. C'est lui maintenant qui va former un gouvernement. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et c'est comme ça qu'ils se sont accaparés des pays de l'Amérique. Et c'est ce qu'ils veulent faire en Afrique. Parce qu'ils voient des gens qui se lèvent, des voix qui se lèvent de nos jours pour dénoncer ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la bouche des Noirs. Il faut fermer la bouche à travers les vaccins. Parce que si ce sont les guerres, le monde entier peut voir. Et il peut y avoir des rébellions de certains pays qui vont dire non, nous sommes contre, nous nous imposons. Mais or, à travers cette histoire de vaccin, puisqu'on sait que la maladie tue plusieurs personnes, beaucoup de personnes, donc s'ils viennent sous le couvert d'un vaccin, personne ne peut savoir le danger qui se cache derrière ce vaccin. Ah oui, s'ils viennent avec les vaccins, arrachez-les, piquez-les. Vaccinez eux-mêmes, vaccinez-les eux-mêmes. Comme ça, vous leur dites, bon, comme vous êtes déjà vaccinés, nous, on ne veut plus ce vaccin. Ça va pour vous. Chicotez-les. Ne les laissez même pas. Si ils débarquent, on va multiplier la vidéo même. C'est-à-dire, on va apprendre qu'ils débarquent là-bas dans le but de faire. On va faire des vidéos pour demander aux Africains de les mater, de les chicoter. Qu'ils soient blancs ou noirs, matez-les. Ne les laissez pas. Parce que je ne comprends pas, les présidents africains, ils ne vont même pas contester, ils ne vont pas refuser, ils vont accepter. Or, pourtant, le vaccin, ceux qui ont besoin du vaccin aujourd'hui, ce sont les Européens. Eux-mêmes, ils n'ont même pas encore l'antidote. Ils n'ont même pas encore l'antidote. Ce sont les Chinois qui sauvent en ce moment le monde. C'est les Chinois qui fabriquent les masques, les gants, les machines de respiration. Les Européens, ici, là, c'est mou. Ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien. Souvent même, ils laissent les gens, ils meurent seuls. Mais ces gens ont besoin de vaccins pour survivre. Il y a des petits, il y a des nouveau-nés qui meurent ici. Il y a des gens qui naissent aujourd'hui, qui meurent à cause de cette maladie. Il y a des gens qui ont au moins, il y a une fille de 16 ans qui est morte en France, il n'y a pas si longtemps. Donc, cette maladie, ça tue les jeunes comme des vieux. Ça tue les nouveau-nés, les jeunes et les vieilles personnes. Donc, ceux qui ont besoin du véritable vaccin, mais ce sont les Européens. Pourquoi ils ne vaccinent pas les Européens? Et puis ce sont les Africains, ils veulent vacciner. Eux qui ont le grand système sanitaire solide, mais on voit comment ils souffrent. Donc le peuple a encore besoin de soins médicaux. Le peuple a besoin des soins médicaux. Donc il ne faut pas, ils vont nous baratiner pour dire non, ce sont les Africains qui ont besoin. Nous, on ne meurt pas de la manière, ils sont là mourir ici. Hein. Les Africains, ils meurent lorsqu'il y a des guerres. Eux, ce sont eux qui amènent les guerres là-bas. Les Africains, ils meurent en désordre parce que ce sont eux qui créent les guerres pour permettre aux Africains de s'éliminer entre eux. Mais en dehors de ça, les maladies qui frappent l'Afrique, l'Africain, il réussit toujours à trouver une solution. Même cette histoire d'Ebola, c'est encore bizarre. C'est eux qui avaient amené ça. C'est eux qui avaient amené ça. Quand vous regardez les documentaires, vous faites les recherches. Le vaccin contre Ebola, ce n'est pas en 2010 que c'est sorti. Ce n'est pas en 2015 que c'est sorti. Le vaccin contre Ebola existait déjà dans les années début 2000. Donc, où est-ce que ce nom Ebola était quitté? Avant que cette maladie n'arrive en Guinée, eux, ils connaissaient déjà le nom. Ils faisaient déjà des études, des antidotes contre l'Ebola.
Et bizarrement, en 2015, Ebola s'abat sur la Guinée et dans certains pays africains. Maintenant, eux, ils quittent là-bas comme des pompiers pyromanes. Ils viennent, nous, on a médicaments. Parce qu'ils vendent, hein, ils font leur business de l'industrie pharmaceutique. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Ils soutirent de l'argent aux peuples africains, aux gouvernements africains qui ne veulent pas, hein, décaisser pour leur donner de l'argent. Ils envoient des maladies comme ça. Lorsque ton peuple subit, tu es obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Si tu ne veux pas donner, mais ton peuple va se révolter contre toi. Et puisque eux aussi ne veulent pas perdre le pouvoir, ils sont obligés de céder. Et c'est malheureux. Un Alassane Ouattara, vous pensez que Ouattara, il puisse contester cela? Voilà quelqu'un qui me dit, ils sont déjà à Tiassali. Chicotez-moi ces médecins-là. Moi, je suis contre la violence envers les femmes. Mais souvent, ces gens-là, ils aiment bel et bien mettre les femmes devant pour vacciner les gens. Que ce soit femme, garçon, chicotez-les. Ne les laissez même pas. Chicotez-moi ces gens-là. Fessez-les. Je n'ai pas dit de tuer qui que ce soit. Je n'ai pas dit ça. Je dis chicoter. Ils méritent une bonne chicotte sur leurs fesses. Comme ça, ils vont comprendre que le peuple africain ne veut pas d'un tel vaccin. Allez-y, vaccinez les Européens. Voilà la France qui souffre. Voilà les Américains qui souffrent là-bas. Allez-y, les faire vacciner. Ou bien ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas aussi besoin du vaccin. Ils ont besoin de l'antidote du corona pour survivre. Vous avez fermé, vous avez confiné tout le monde. Mais vacciner tout le monde comme ça, tout le monde va sortir pour aller travailler. Mais c'est parce que vous avez peur. Vous savez que sortir est égal à la mort. Coronavirus va donner la mort aux gens. Donc vous avez demandé à tout le monde de s'enfermer. Maintenant, pourquoi vous qui aimez tant les Africains, vous qui avez tant l'antidote du corona, pour ne pas que les Africains meurent, pourquoi ne faites-vous pas les tests sur votre population? Puisque c'est parce que vous ne voulez pas que votre population meure, raison pour laquelle elle est confinée. Il y a le confinement partout. Donc, s'il y a l'antidote, si ça y est dans ton corps, coronavirus ne peut plus rien faire. Mais vaccinez tout le monde ici. Comme ça, tout le monde peut sortir. Allez faire ce qu'il peut faire. Mais non, vous ne voulez pas. Et c'est en Afrique, vous débarquez. Ça, c'est du baratin, c'est du mensonge. Vous voulez mentir aux gens, profiter de ça et empêcher. On sait, nos femmes là, nos femmes en Afrique, on ne veut pas que vous injectez n'importe quel microbe en elles. Comme ça, elles ne vont plus procréer. Vous allez dire, bon, oh, mais dis donc, les blancs, ils sont bizarres quand même. Vous êtes mauvais. Hein? Ils vont empêcher les hommes, femmes de procréer. Comme ça, tu apprends une femme, elle ne fait pas d'enfant. Tu veux enfant, il n'y a pas enfant. Toi-même, tu es malade, tu te dis, mais elle ne fait pas d'enfant. Tu vas laisser cette dernière. Oh, pourtant, c'est une belle femme. C'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui t'aime. C'est une femme qui fait tout pour toi. Hein? C'est-à-dire, elle te donne des conseils. Vous vous battez. Tu fais tout pour elle, fais tout pour toi. Elle t'encadre et tout. À cause d'un enfant, la famille va mettre la pression sur toi. Non, elle ne fait pas d'enfant, il faut la laisser. Et toi aussi, tu laisses ce bonheur partir parce que c'était, je ne sais pas, des blancs sont quittés là-bas, ils ont injecté quelque chose dans son corps lorsqu'elle était bébé. Comme elle ne savait rien, ses parents acceptaient pour que cela se fasse. Eux aussi, étant ignorants, ils acceptent, ils courent parce que Corona vient. Matez-moi ces gens-là qui vont arriver sur le territoire africain pour dire vaccin. Matez-moi ces gens-là. Parce que les enfants des riches, ils ne vont pas se faire vacciner. Ils vont même pas se faire, leurs familles ne vont pas se faire vacciner. Mais ils vont faire vacciner les pauvres qui sont dans les villages. Des gens qui sont inconscients, ils vont les faire vacciner dans le but de les empêcher de procréer. Et là, ils ne vont pas là-bas dans le but de vacciner aussi seulement les bébés. Ils vont vacciner, quand tu sois grand bébé, ils vont vacciner tout le monde pour dire contre le corona. Et ils vont empêcher les Africains de faire encore des enfants. Seulement ceux qui sont à l'étranger qui pourront faire des enfants. Parce que ceux-là, ils sont déjà allaités, donc ils ne vont pas se faire vacciner. Et donc, c'est ceux-là qui pourront encore faire des enfants. Oh, ces enfants qu'ils vont faire, ils vont les éduquer de façon européenne. Donc, ils vont avoir la mentalité européenne. Et ces gens-là, quand ils vont débarquer, ils vont se retourner en Afrique, mais ils feront toujours la politique pro-européenne. Et donc, tout de suite, ils vont toujours les contrôler. Voilà le vrai problème. Parce que ceux qui grandissent en Afrique, eux, ils les voient en train de se rebeller contre l'Europe. Ils disent, mais ces gens-là, ils représentent un danger. Il faut les vacciner immédiatement pour les empêcher encore de faire d'autres enfants et les éduquer dans cette même lignée de trucs, de voir les choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les vacciner. Maintenant, ceux qui sont en Europe,
S'ils font les enfants en Europe, ces enfants seront éduqués, ils vont aller dans les écoles européennes, ils vont avoir la mentalité européenne. Et une fois que ces enfants vont grandir, ils vont avoir des diplômes, ils vont leur demander d'aller dans leur pays pour faire la politique. Ils vont les soutenir politiquement. Ces gens-là vont gouverner l'Afrique et toujours, ils auront la politique pro-européenne. Voilà leur plan global. Et nous voyons ça. On voit ce plan arriver. Et c'est ce qu'ils veulent mettre sur pied. Donc, voilà Mani FT qui dit, ils sont déjà à Tia Salé. Ils sont déjà à Tia Salé. Moi, je viens de Divo et je demande à la population de Divo de ne pas accepter un tel vaccin. Si ces gens-là arrivent, matez-les, chassez-les de Divo. Je demande aussi aux autres régions de la Côte d'Ivoire, si ces gens-là arrivent, faites de bouche à l'oreille, informez-vous, parce que ce n'est pas tout le monde qui est informé. Quand tu sois habillé, appelle au village pour allaiter ta famille. Si tu as un ami quelque part, appelle-le pour l'allaiter, pour dire vaccin contre corona. Si tu as fait ça à ton enfant, il ne va plus faire enfant. Quand il va grandir, c'est fini. Il ne va plus faire enfant. Il ne va plus accoucher. Si tu fais ça, toi aussi, grande femme ou bien grand homme, quand tu vas faire ça, arrivé un moment, tu ne vas plus t'élever. Papy, tout va commencer à dormir. Ou bien Papy, tout va toujours se lever, mais Papy, tout ne sera plus efficace. Il faudrait que les gens le sachent. Ça va bien se lever, mais au lit, quand tu vas finir, aucun résultat ne va se produire. Parce que ce qui va sortir là-dedans, c'est déjà mort. Hein? Le spermatozoïde est déjà mort. Donc, ça ne peut plus permettre à la femme de tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce sont des microbes qui vont injecter en vous, qui vont détruire cela. Ça va toucher l'endroit qui permet à ce que vous, hein, à ce que vous puissiez enceinter des femmes. Ça va toucher là-bas. Et si ça touche là-bas, tu vas beau faire l'amour. Ce n'est pas parce que ça se lève pas. Ça va bien se lever. Tu vas dire, tu es un homme, il n'y a pas de souci. Tu peux faire taper autant de filles que tu voudras, mais pour en plus tomber enceinte. Et là, tu vas te poser des questions, mais est-ce que je ne suis pas un homme? Et les femmes vont te fuir. Elles vont dire, mais toi, tu n'es pas un homme. Elle va aller chez quelqu'un d'autre, tu vois, un mois seulement, elle est enceinte. Elle va dire, c'est toi qui n'enfantes pas. Tu as oublié dans ton passé que OMS avait envoyé des médecins sans frontières dans le but de vous faire vacciner. Et c'est ce vaccin qui sera à l'origine de tout. Sa vie, il dit, il n'a qu'à venir, c'est moi très gros, il on va piquer. Mais oui, Ahmed Bakayoko, vous êtes le ministre de la Défense. Je ne parle pas du ministre de la Santé. Je parle d'Ahmed Bakayoko parce que lui, son rôle, c'est de défendre le peuple ivoirien. Donc, des gens qui viennent sous couvert de Médecins sans frontières dans le but de faire vacciner le peuple africain. Si toi, Ahmed Bakayoko, tu les laisses, parce que aussi, c'est une rébellion sanitaire qu'ils veulent faire. Ça, c'est du djihadisme sanitaire qu'ils veulent aller envoyer en Côte d'Ivoire. Si toi, Ahmed Bakayoko, tu es chargé de sécuriser tous les Ivoiriens, tu es chargé de la sécurité, si tu les laisses vacciner les gens, on va te vacciner toi-même. Vacciner ta femme, vacciner tous tes enfants. Les Ivoiriens vont vous piquer. Parce qu'on ne peut pas concevoir cela. Vous allez protéger vos familles et laisser famille des gens les mentir. Ces familles vont se faire vacciner et suite à ça, il y aura des conséquences. On ne veut pas de vaccin en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de vaccin. Si c'est, ils n'ont qu'à chercher d'abord vaccin contre le paludisme. Ils n'ont pas à trouver ça. Ils n'ont pas trouvé un vaccin contre. C'est le palud qui tue beaucoup les Africains. Depuis que les Africains, mais est-ce qu'ils se sont déjà préoccupés d'un vaccin contre le paludisme? Ça n'existe nulle part. Tout Africain qui vit en Afrique subit le palud. Est-ce qu'ils ont déjà fait des études pour trouver un vaccin contre le paludisme? Ils n'ont jamais fait ça parce qu'ils s'en foutent. Que le palud te tue ou pas, ce n'est pas leur problème. Au contraire, quand tu vis en Europe, quand tu dis que tu as le palud, ils t'éloignent. Ils te mettent en isolation, en isolement plutôt. Ils te mettent en quarantaine. Hein, qui représente un danger potentiel pour eux. Donc, ils savent que le palud est un danger. Mais pourquoi ils ne cherchent pas de vaccin? La grippe qui tue, la grippe normale qui tue ici, en Europe, combien de morts ça fait? Chaque année, ça fait 9 000 morts, par exemple, en France, sans compter les autres pays. Donc, c'est une maladie grave, la grippe.
Est-ce qu'ils ont déjà cherché un vaccin contre la grippe? Quand tu vis en Europe, tu ne peux pas échapper à la grippe. Ça frappe là où ça veut. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore trouvé de vaccin. C'est vaccin de corona, vous allez trouver. Oh, cette maladie, on dit, ça vient sous forme de grippe. Mais si vous n'avez pas encore trouvé le vaccin de la vraie grippe, ce n'est pas le vaccin de corona, vous allez trouver. Oh, cette maladie aussi, ça se manifeste comme le palud. Vous n'avez pas encore trouvé le vaccin du paludisme? C'est le vaccin du corona, vous avez trouvé? C'est du mensonge. C'est du mensonge. Nous voyons votre petit jeu. C'est pour anéantir le peuple africain, le peuple noir. Et nous n'en voulons plus. Aujourd'hui, demain, nous demandons aux Africains, si vous voyez de tels médecins en train de fonctionner de la sorte, matez-les, chicotez-les, mes frères, chassez-les de vos régions. Parce qu'ils sont un danger pour vous. Et quiconque viendra pour battre campagne pourrait chicoter ces gens-là. S'ils utilisent les Ivoiriens pour dire ils vont battre, chicotez-les. Chicotez-les, lancez-les des pierres. Que la police soit là, s'ils viennent pour que la police les protège. Écoutez, chicotez les policiers aussi, chicotez-les. Parce qu'ils seront à la base d'une catastrophe humaine sur notre territoire ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce que je voulais dire au peuple africain. Faites attention. Les Africains, eux, ils ne suivent pas les vidéos où on conscientise. Ils aiment suivre les vidéos où il y a des clashs. Si j'étais en train de clasher tout de suite, avant-hier, comme j'ai clashé, il y avait 1 000 personnes qui me suivaient. Mais lorsque tu parles des sujets sensibles où on conscientise, non, eux, ils ne veulent pas. Lorsque tu dis, bon, tu clashes à quelqu'un, oh, ils sont là, waouh, ils viennent, on dirait manien. 2 000 personnes connectées, 1 000 personnes connectées, c'est ça le noir. Mais lorsque tu l'alertes, il va dire, oh toi, ce n'est pas intéressant, il n'y a pas de clash. Moi, ils s'en vont suivre les vidéos où il y a des clashs. Les vidéos qui ne peuvent rien apporter dans leur vie, ce sont ces genres de vidéos qu'ils aiment. Ils n'aiment pas les vidéos où on les alerte, où on les prévient, où on leur demande de ne pas faire tant. Non, 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 pour eux, ils s'en foutent. Ils vont dire, mais tu as fait la morale à qui? Toi, tu te prends pour qui là? Et ils vont te dire, va te faire foutre. Ils aiment, si je disais, je clashais quelqu'un tout de suite, ils allaient venir nombreux. Hein. Et je les connais. La fois passée, quand je parlais de Makoso et de Bordeaux, quand j'essayais de clasher un peu, oh, ils étaient nombreux. Ils sont venus, 1 000, combien de personnes qui suivaient. Mais maintenant, ce n'est plus. Et Facebook avait bloqué cela. Quand j'ai fini la vidéo, je ne sais pas, Facebook a empêché la vidéo d'être divulguée. Bon. C'est ça qui a fait que la vidéo a disparu sur la page. Donc, il dit, Samy, il dit, Corona. Samy, toi aussi, il faut faire attention. Hein. Tu es aux États-Unis, on apprend les échos que ça chauffe là-bas. Donc, il faut faire attention. Faut te mettre à l'abri, mon frère. Samy, voilà, nous ne voulons pas qu'un Ivoirien subisse. Voilà les conséquences de cette maladie. Tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes doivent rester à l'abri, doivent se protéger, essayer de prendre leur distance. Ne vous serrez pas les mains. Écoutez, ce n'est pas le moment de faire l'amour, de vous embrasser. Ah oui, parce que dans ça aussi, il y a le danger. Tu ne sais pas si monsieur est infecté ou madame est infectée. Donc, la distance. Ah oui. Pour dormir, il faut mettre un truc protège-nez, ma soeur. Mon frère, il faut mettre. Vous regardez, mais protégez-nous d'abord, étant même sur le lit. Si l'autre dit, donne-moi bisous, tu dis, il y a Corona, il faut attendre d'abord, Corona va passer. Bisous, là, tu vas recevoir. Mais tant qu'il y a Corona, tu n'auras aucun petit bisou. Donc, tous les Ivoiriens, vous qui êtes à la diaspora, et de surcroît, tous les Africains, vous qui êtes à l'étranger, nous vous demandons de vraiment respecter le confinement. Respectez ça et essayez de respecter aussi la distance de sécurité qui est la distance d'un mètre pour ne pas vous faire contaminer par autrui. Oui, si tu passes quelque part et que quelqu'un éternue, voici mes conseils. Si tu es là avec quelqu'un, même s'il est éternu, en pliant son bras pour éternuer dans son coude, mon frère ou ma soeur, coupe ta respiration parce que lorsque tu coupes ta respiration, aucun air ne pourra prendre les microbes pour rentrer dans ton nez. Parce que quand tu aspires l'air,
Quand tu aspires l'air, c'est là, quand l'air est infecté, lorsque un individu éternue devant toi, l'air sera infecté. Et lorsque tu aspires l'air, cette air-là, cette air-là, tu prends ça, tu envoies ça dans tes poumons. Oh, les microbes sont déjà mélangés avec cette air. Donc directement, tu envoies des microbes dans ton poumon. Sinon que dans tes poumons, et là, voilà Corona qui va s'apprendre à tes poumons. Pour éviter cela, lorsque quelqu'un éternue auprès de toi, ma soeur ou mon frère, coupe ta respiration et essaye de t'éloigner. Le plus tôt possible, tu coupes, tu respires pas et puis tu attrapes ton souffle et puis tu cours. Tu quittes devant l'individu pour ne pas que l'individu te contamine. Même si c'est un ami à toi ou une amie à toi, vous vous connaissez. Ça fait longtemps. Et la personne te surprend, ou bien vous partez dans un supermarché dans le but de faire un petit marché, acheter les derniers alimentaires, et vous voyez là-bas, mon frère, ma soeur, évitez les accolades. Tu dis, ah, copine, oh, mon frère, hein, la salutation à distance. Ah oui, pour ta propre sécurité et la sécurité de ta propre famille. Parce que, erreur, malheur, si tu ramasses cette fameuse maladie au marché, au supermarché, au dehors. Et que tu prends, tu envoies ça dans ta famille, mon frère, imagine le dégât. Non seulement tes enfants seront exposés à cette maladie, ton époux ou ta femme, je ne sais pas si c'est le mari qui ramasse, il risque de contaminer madame parce que lors du confinement, vous ne pouvez pas rester à la maison. Je demande aux gens d'éviter un peu la moue, mais c'est impossible. Ouais, lors du confinement, ouais, le stress. La chose va se passer. Donc, c'est impossible. Donc, imaginons, monsieur, il ramasse au dehors, il rentre à la maison, il va contaminer madame. Oui, le soir, parce que lors du match, à South Africa, il aura une contamination. Ah oui, si c'est madame qui ramasse ça dans un petit supermarché, elle débarque à la maison avec ça, lors du match Bassa-Riel, il aura la contagion. Les bébés, oh, maman, les bébés, maman doit doloter ses enfants. Ah oui, dans ça aussi, voilà truc en contamination. Donc, le danger est potentiel. Le danger est très énorme. Pour éviter un tel danger, prenez vos précautions. Respectez cela. Et évitez d'aller, ce que j'aimerais vous dire, parce qu'il y a d'autres, lorsqu'ils ressentent un petit symptôme, ils courent, ils partent à l'hôpital. Eh, mes frères, l'hôpital est dangereux de nos jours. Hein. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller dans les hôpitaux, mais là-bas, là, hôpital, là, c'est un danger. Les hôpitaux représentent maintenant un danger. Ah oui, si tu vas à l'hôpital, c'est que tu dois chercher la mort de nos jours. Avec cette histoire de coronavirus, on ne sait même pas si les médecins eux-mêmes ils sont complices, s'ils font une politique en collaboration ou bien en coopération avec les différents gouvernements pour dire injecter des substances nocives dans les corps des patients pour diminuer les gens, on ne sait jamais. Donc, toi, tu ressens un peu les symptômes, tu cours, tu vas à l'hôpital. Ils vont t'injecter quelque chose pour dire on lutte contre COVID-19. Voilà, après, ça s'intensifie. Voilà la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que j'aimerais vous dire, ce que j'aimerais vous conseiller, mes frères, on ne sait même pas si cette maladie contamine par voie sexuelle. Ah oui, parce que tout est possible. Par voie sexuelle, on ne sait pas. Pareil, je vois des gens. J'ai vu des vidéos d'autres qui font l'amour. Ils cachent leur visage, ils emballent leur visage, garçon emballe le visage, femme emballe, et puis ils sont en train de faire l'amour dans le but de ne pas respirer dans les narines de l'autre ou bien dans la bouche. Mes frères, on ne sait même pas si c'est contagieux. Si c'est contagieux par voie sexuelle, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà le danger potentiel. Parce qu'un microbe qui infecte ton organisme, mes frères, c'est déjà mélangé le corps, tu colles le sang. Oh, qui dit sexe, dit sang. Après, c'est le sang qui devient le sperme quand même. Donc, le sperme est mélangé avec. La preuve en est que quand tu gardes le sperme dans une petite boîte durant 3 jours, bien fermée, ça devient après le sang. Voilà pourquoi quand tu dis sur une femme pendant longtemps, tu dis sur elle pendant longtemps, tu jouis une première fois, deuxième fois. Toi, j'ai pu, tu insistes. Parce que ça dépend des hommes. Il y a des hommes qui sont
Endurant, il y a d'autres noms. Mais si tu es endurant, tu as fait le premier, par exemple, tu as tapé 1h30, ça t'a fatigué pour que ça vienne. Toi-même, tu es essoufflé. Et madame dit, il faut foncer encore deuxième. Et si deuxième ne vient plus, tu forces, mon frère, le sang vient. Le sang vient parce que le machin est fini en toi. Et donc, oh, à la place du machin, le sang qui allait se transformer pour devenir le machin, mais ça y est, à la place, c'est ça qui vient. Et donc, oh, c'est un danger. Et donc, oh, si le microbe, si ça infecte les poumons, c'est que le sang aussi sera infecté. Puisque pour savoir si tu es, si tu es contaminé ou pas, on prend ton sang là. C'est le sang, on prend. À travers le sang, on fait les analyses. Donc, oh, imaginons si le microbe ne se trouvait pas dans le sang. Avec le sang, ils ne vont pas savoir si tu es positif ou négatif. C'est parce que le microbe se trouve dans le sang. On prend ton sang pour faire les tests. C'est comme le microbe du VIH-Sida. Pour savoir si tu as le sida, on prend ton sang là. Ou bien on prend ta salive. Mais généralement, c'est le sang, les gens y prennent. Là où la médecine est développée, on prend la salive. Mais généralement, dans le monde entier, on prend le sang. C'est parce que le microbe est mélangé avec le sang. Donc, le microbe se trouve dans le sang. Voilà pourquoi, avec le sang, on fait des tests et on sait si tu as le sida ou bien tu n'as pas le sida. Bon, le VIH est différent du sida, mais ils veulent voir si tu as le VIH ou pas. Donc, ils prennent ton sang. Mais le cas du corona, c'est la même chose. Ils prennent aussi le sang. Donc, ce qui veut dire que le microbe, il se mélange avec le sang. Qui dit mélanger avec le sang dit aussi contamination par voie sexuelle. Voilà le danger. Voilà le vrai. Donc, c'est un véritable microbe kamikaze. Non seulement tu peux attraper ça à travers la voie nasale ou la voie orale, mais il y a un danger potentiel qui est en suspension. C'est-à-dire, tu peux aussi attraper cette maladie par voie sexuelle, puisque les microbes du COVID-19 se trouvent dans le sang. Et pour faire les analyses, on prend ton sang pour aller faire tes analyses. Voilà le vrai danger. Donc, c'est pour alerter les gens, pour dire, faites attention, les femmes. Les femmes, vos époux, ils sortent, ils s'en vont. Moi, vraiment, je lutte pour ne pas que les femmes, parce que la femme, elle connaît la valeur de l'enfant. Imaginons une femme qui a des enfants qui meurent. Mais ces enfants vont devenir quoi? L'homme, il va faire quoi? Il va aller prendre une autre femme et cette dernière, si elle n'aime pas les enfants du monsieur, mais elle va les maltraiter. Or, une femme qui fait enfant avec un homme, mais si elle prend un autre homme, elle ne peut pas maltraiter ses enfants pour soutenir son homme. Au contraire, si l'homme n'aime pas ses enfants, elle va dire, si tu n'aimes pas mes enfants, je ne te marie plus. Ah oui, elle ne peut pas maltraiter les femmes qui maltraitent leurs enfants au détriment de leurs hommes. C'est que c'est des femmes inconscientes. Donc, faites très attention. Faites très attention. Protégez-vous. Là, soit vous deux, vous avez fait les tests, vous êtes en négatif. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez à gogo. Mais avant de faire quoi que ce soit, passez le test du COVID-19 pour voir qui est positif, qui ne l'est pas. Si parmi vous, un est positif, évitez ça. Évitez le mouvement. Éloignez-vous les uns et les autres pour le bien-être de vos enfants, de vos familles, de vos parents aussi. Parce que les mamans, les papas, ils peuvent être infectés et mourir dans ça. Et donc, pour éviter la mort de vos propres parents, parce que si tu as la base de la mort de ton père, mon frère, comment tu vas te regarder dans un miroir? Si tu as la base de la mort de ta mère, comment tu vas te... Voilà pourquoi il faut respecter le confinement. Que ce soit en Afrique, ici en Europe, il faut respecter ça. Mais si tu es têtu, je m'en fous. Et tu défies le gouvernement dans lequel tu vis, le pays dans lequel tu vis, tu défies le gouvernement de ce pays-là. Et que tu sors, tu ramasses la maladie, tu viens à la maison. Et cette maladie tue tes parents. Mais est-ce que tu n'es pas un sorcier? Mais tu n'es pas, tu seras pas différent d'un sorcier ou bien tu seras pas différent d'une sorcière. Parce que tu allais ramasser un microbe pour venir tuer tes parents. Cela va te traumatiser durant le reste de ta vie. Pour éviter cela, je demande à tout le monde de respecter le confinement. De respecter le confinement dans sa globalité. C'est très important pour vous et pour vos familles, ainsi que vos proches et vos amis. Et donc, ne
Abonnez-vous sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime et vous vous abonnez, vous devenez membre. Voilà. Donc, cette histoire de Vassi, on va un peu revenir sur ça. J'étais là en train d'éclairer les choses concernant le vaccin qui se prépare pour être déversé sur le continent africain. Et ils ont dit, non, qu'à aller tester ça sur les Africains. Mais de façon générale, généralement, ces Européens, eux, ils testent les vaccins sur les animaux, les porcs, les sangliers. Les... Bon, sangliers, je peux dire aussi, ça fait partie des porcs. Ce sont les animaux qui sont comme des porcs qui sont en brousse là-bas. Et aussi des moutons, ainsi que tous les animaux domestiques, ils prennent ces vaccins pour faire des tests sur ça, pour voir si c'est efficace. Mais eux, ils ne font pas ça cette fois-ci, là, ils ne veulent pas faire des tests sur les animaux. Ils veulent aller faire des tests sur les Africains. Et ils ciblent une catégorie africaine. Ils disent non, les prostituées africaines. Comme si les prostituées en Afrique, ils n'avaient pas de famille. Mais ils sont sérieux là. Non, il faut aller essayer ça sur les prostituées. Mais prostituées là, vous pensez que ces gens-là, ils sont quittés au ciel pour tomber? Elles sont des sœurs des gens là. Ce n'est pas parce qu'elles sont prostituées qu'elles n'ont pas de famille. Souvent même, il y a d'autres qui fuient les maisons pour aller se vendre la nuit et revenir le truc au matin. Mais elles sont elles font partie de bonnes familles. Elles ont leurs parents. Souvent, les parents parlent, ne va pas faire ça. Et puis, elles sont têtues. Il y a souvent certaines prostituées, personne ne sait qu'est-ce qui les pousse. Elles sont bien éduquées, mais tout d'un coup, elles deviennent prostituées. Cela ne veut pas dire que leur famille ne les éduque pas bien. Elles sont bien éduquées souvent, mais ce sont les trucs de la vie, ça peut arriver. Donc, ces prostituées-là, elles ont des parents, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous les voyez dans les rues, vous allez penser que non, elles sont orphelines. Ou bien, elles n'ont aucun parent. Et donc, c'est dans les rues et elles dorment. Non, elles ne dorment pas dans les rues, s'il vous plaît. Elles ont des familles, elles ont des parents, elles ont des villages. C'est parce que c'est un métier qui leur plaît, qui leur plaise. Ou bien, elles ne savent pas quoi faire souvent. D'autres sont livrées à elles-mêmes. Elles font ça pour survivre, pour nourrir leur famille. Voilà pourquoi elles font ça. Et donc, je n'encourage pas ce métier. C'est un métier qui n'est pas bien. Mais aller jusqu'à dire sur des chaînes internationales pour dire vous allez envoyer ce vaccin en Afrique et tester ça sur les prostituées africaines. Vraiment, c'est un mépris envers le peuple africain. C'est un mépris envers le peuple africain. Donc, aux yeux des Africains, des hommes, vous allez partir faire des tests. Mais vous serez maté là-bas. Tous ceux qui vont aller là-bas en Afrique pour dire ils vont là-bas dans le but de faire vacciner les Noirs contre le coronavirus, matez-les. Matez-les parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin du vaccin ici. Ils ont plus besoin de ce vaccin du corona que les Africains. Ils en ont besoin. Les Africains n'ont pas besoin de ce vaccin. Commencez sur le peuple européen. On veut voir clair, nous qui sommes ici, si on est convaincu que oui, les Européens, la population européenne est bel et bien vaccinée avec ce médicament. On va voir le nom du vaccin. Voilà, parce que vous pouvez faire deux vaccins différents. Un vaccin dédié aux Européens qui ne serait pas un vaccin qui va leur faire subir une conséquence désastreuse plus tard. Et vous allez faire un autre vaccin pour amener ça en Afrique pour empêcher les Africains de procréer. Donc, on va voir clair le nom du vaccin que vous allez utiliser pour vacciner les Européens. Et suite à cela, maintenant, les Africains pourront accepter de se faire vacciner. Mais vous, vous mourrez. D'après vous, vous avez des bons systèmes sanitaires. Mais on voit que ça ne vaut rien. C'est la Chine qui vous vient en aide. Donc, vous n'êtes pas différent des Africains, là. Vous n'êtes pas pareil. Vous êtes débordés. Souvent, même d'autres sont délaissés seuls. Ils meurent chez eux. En Italie, les gens, ils passent porte par porte pour aller ramasser des cadavres, aller les incinérer ou aller les enterrer. Donc, on sait comment ça se passe. Donc, vous ne pouvez pas mentir aux gens que les Africains ont besoin de vaccins. Mais vous avez confiné la population européenne. Pourquoi?
C'est parce qu'il n'y a pas de vaccin là. C'est parce qu'il n'y a pas d'antidote. C'est parce que vous avez peur de mourir. C'est parce que les gens, vous ne voulez pas que le peuple européen meure. Donc vous demandez à ce peuple de se mettre à l'abri, de se faire confiner, de rester chez soi. Parce que vous n'avez pas de médicaments contre ce maladie, ce virus. Vous n'avez pas d'antidote contre cette pandémie. Et donc, du coup, vous avez un vaccin contre le coronavirus. Mais commencez par vous-même. Non, on veut vacciner les Africains pour éviter que la maladie fasse des dégâts. Donc, les dégâts que donc, c'est vous qui préparez ce dégât en Europe. Donc, vous voulez d'ailleurs que la population européenne meure et que vous voulez protéger la population africaine. Bon, si je veux comprendre, c'est ça. Parce que vous, la sécurité de la population africaine vous préoccupe autant par rapport à la sécurité de la population européenne. Puisque quand il s'agit de la population européenne, vous ne parlez pas de ce vaccin. Or, cette population a tant besoin de ce vaccin. Parce que les gens meurent. Pour ceux qui ne sont pas ici, mes frères, c'est chaud ici. C'est chaud. Et les chiffres qu'ils publient, ce sont des chiffres qui sont des mensonges. Ce n'est pas les vrais chiffres qu'ils publient. Il y a plus de morts. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est publié là, c'est ceux qui meurent dans les hôpitaux. Mais ceux qui meurent chez eux à domicile, eux aussi, ils ne sont pas dans ces chiffres publiés, rendus publics. Ils ne sont pas comptés dedans. Vous voyez, ceux qui meurent chez eux, là, ils ne savent pas si c'est Corona qui les a tués ou pas. Oh! Donc, de pandémie, ils n'ont pas le temps de faire des tests pour savoir de quoi il est mort. Tel individu est mort. Non, ils n'ont pas le temps. Quand tu meurs, on te prend, on te jette. Donc, ils ne comptent pas ces gens-là qui meurent chez eux à domicile. Ils comptent seulement ceux qui meurent dans les hôpitaux. Quand tu meurs à l'hôpital, on te recense. Hein? On note que telle personne est morte. Et dans la soirée, tous les hôpitaux font le bilan des malades qu'ils ont perdus dans leurs hôpitaux. Et le total, ils calculent ça. Si c'est 800 personnes, ils disent aujourd'hui, il y a eu 800 personnes. Mais en dehors des hôpitaux, il y a des gens qui meurent dans les rues, d'autres meurent chez eux. Et ces gens-là ne sont pas calculés. Donc, on peut estimer que par jour, il y a au moins 1000 individus qui meurent sur le territoire européen. Et donc, si des gens ont cette. Le cas n'est pas pareil en Afrique. Depuis que cette maladie a commencé, en Afrique, il n'y a même pas encore 100 morts. Dans tous les pays africains, tous ceux qui sont morts, quand vous les regroupez, ils n'atteignent pas 100 personnes. Des gens qui sont morts. Donc, des gens qui sont morts suite à cette maladie, ils n'atteignent pas encore 100 personnes. Sur tout le continent. Or, en Europe, mes frères, si on veut faire le bilan, c'est chaud. Ça est déjà dans 20 000 personnes. Et ça continue. Parce qu'ils n'ont pas l'antidote. Donc, cette histoire d'antidote, de vaccin qu'ils auraient trouvé pour aller donner aux Africains, c'est suspect. Et donc, danger à l'horizon. Danger à l'horizon. Et nos gouvernements, si Draman, Ouattara, les Ivoiriens te regardent. Gokoulibaly, les Ivoiriens te regardent. Kablan-Dekan, les Ivoiriens te regardent. Ahmed Bakayoko, c'est vous qui êtes les tenants, les piliers du gouvernement ivoirien. C'est vous qui devrez veiller sur la sécurité du peuple ivoirien. Si vous acceptez qu'un tel vaccin arrive sur le territoire ivoirien, pour vacciner les Ivoiriens, on va vous attraper pour vous piquer vous-même. On va vous faire vacciner, vous et vos enfants. Parce que vous n'allez pas rester à l'abri. Cachez vos enfants, protégez vos enfants et exposez les enfants des autres à aller se faire vacciner. Parce qu'on sait que vous n'allez pas contester cela. On sait que vous allez accepter cela. Parce que derrière, il y a un business. Ils vont vous proposer de l'argent. Et si vous ne voulez pas, ils vont vous menacer de vous couper les aides que le FMI vous donne, les aides que les États européens vous donnent. Et donc, suite à ça, si vous êtes menacé sur cette voie, vous allez céder et vous allez leur demander de venir. Et le danger, ils risquent de distribuer ces vaccins dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Pour dire chaque femme qui vient accoucher dans un hôpital, ils n'ont qu'à vacciner en même temps l'enfant. Comme ça, depuis que l'enfant est bébé, on détruit les organes qui lui permettent de procréer, de faire des enfants. Ils vont détruire ça depuis son bas âge. Et quand l'enfant va grandir, il va se marier, il ne peut plus faire d'enfants. Voilà le vrai danger qui est à l'horizon. Et c'est sur ça qu'on alerte. Donc vous, gouvernement ivoirien, ce n'est pas à cause de vos comptes bancaires ou bien votre bien-être que vous allez livrer toute une population
de 27 millions d'habitants, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas livrer 27 millions d'individus pour vous protéger. Ou bien protéger vos petits biens. Les Ivoiriens vous regardent. Le peuple ivoirien vous regarde. On ne veut pas voir de tels vaccins sur le territoire ivoirien. S'ils ont l'antidote, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se faire vacciner. C'est eux qui en ont besoin. Aujourd'hui, ils ont besoin de la Chine. C'est la Chine qui les aide. Sans la Chine, je vous le dis, il allait avoir au moins 10 000 morts par jour ici en Europe. C'est la Chine qui les aide. Tous les appareils dont ils utilisent dans leurs hôpitaux, c'est la Chine qui envoie ça. Il n'y a que la Chine, la Russie et le Cuba qui les aident. La France, elle ne peut pas. Même les pays d'outre-mer, c'est-à-dire les îles françaises, Guadeloupe et consorts. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'aide de la France parce que la France elle-même, sur son territoire, ici, elle est incapable de tenir le coup. Donc, elle ne peut pas encore se permettre d'aller sauver ceux qui sont sur les îles. Vous savez ce que la France a fait? Elle a demandé l'aide du Cuba d'envoyer les médecins cubains dans les îles françaises pour aller aider les Français qui sont là-bas. C'est ce que la France est en train de faire. Parce qu'elle-même, elle est incapable de le faire. Elle a besoin d'aide. C'est la Chine qui vient en aide à la France en ce moment. Vous comprenez? Donc, il y a des problèmes ici en Europe. Et la population européenne a peur. Des gens ont peur. Quand ils sont, on te donne une amende. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'antidote, mes frères africains, mes frères ivoiriens. Ils n'ont pas de médicaments pour soigner cette maladie. Et du coup, eux, ils disent, ils ont un antidote, ils veulent l'emmener ça en Afrique. Vous avez un antidote, mais soignez-vous d'abord. Nous, on veut voir clair. Soignez-vous, vous allez dire, à cause de ce vaccin, les gens peuvent maintenant se balader. Vous pouvez aller travailler librement. Et qu'il y a maintenant un vaccin, ce coronavirus, on ne peut plus faire de victimes. Là, on sera rassuré. On va dire, ah, donc amener ça aussi en Afrique. Mais vous n'avez même pas encore fait de test. On ne sait même pas si c'est efficace ou pas. Quand les gens vous posent des questions sur la télévision ici, vous dites que vous êtes dans des laboratoires pour chercher le médicament qui pourra soigner le coronavirus, mais ça va prendre assez de temps. Ça peut aller jusqu'à un an. Donc c'est vous-même qui le dites. Qui le dites plutôt. Vous le dites que ça peut prendre un an avant de trouver le médicament. Et donc, pour remplacer ce médicament, vous nous parlez de chloroquine, chloroquine, nivaquine. Et que les gens n'ont qu'à prendre ça. Et sur ça aussi, il y a des débats en France. Parce que le gouvernement français trouve que c'est un médicament qui est dangereux. D'autres disent non, comme il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative, alors il faut utiliser en attendant ce médicament. Donc, vous-même, vous avez des problèmes de médicaments. Vous avez un problème de solution contre cette maladie. Et brusquement, soudainement, soudain, vous dites non, il y a un vaccin pour les Africains. Ah! Mais non, vous pensez que les Noirs, ils sont bêtes jusqu'à ce point? J'aimerais dire à Alassane Ouattara et son gouvernement, les militants du RADP vous aiment, hein? Ce n'est pas un problème. Mais si vous faites l'erreur de permettre de tels individus à débarquer sur le territoire ivoirien pour aller injecter n'importe quoi, des petits virus dans les corps du peuple, hein, des citoyens ivoiriens, ceux qui vous aimaient, ils vont se rebeller contre vous. Ils vont vous allez quitter le pouvoir. Ils vont vous mater et ils vont vous attraper pour vous piquer vous aussi. Parce que des gens qui vous ont soutenu, des gens qui vous soutiennent, ils ne méritent pas cela. Ils méritent le respect. Vous devez les protéger et non les livrer à cette organisation appelée OMS, Organisation Mondiale de Santé. Ils ne doivent pas être livrés à ce gouvernement mondial qui veut anéantir le peuple africain pour s'accaparer du territoire africain. C'est inadmissible. Et quand vous faites attention, vous verrez dans le discours d'Emmanuel Macron, lorsqu'il demandait aux Africains de ne plus faire d'enfants, il demandait aux femmes africaines de ne plus faire beaucoup d'enfants. Et que le fait de faire beaucoup d'enfants, cela empêchait l'Afrique de se développer et cela engloutissait l'Afrique dans la pauvreté. Et donc, pour éviter cela, il faut éviter de faire des enfants. Et puisque les Africains n'écoutent pas, puisque les femmes africaines de nature, parce que ça fait partie des cultures des pays africains,
Aucun citoyen africain ne peut avoir sa femme, une femme à sa disposition et décider de faire un seul enfant ou bien décider de ne pas faire d'enfant. Nous, cela ne fait pas partie de nos cultures. Tu as ta femme, tant que madame est capable, elle te dit chérie, vas-y. Mais vous faites des enfants. Vous faites des enfants. Si les parents n'ont pas réussi dans leur vie, les enfants peuvent réussir et aider leurs frères, sœurs et aider toute la famille. Et c'est comme ça en Afrique. Donc, ce n'est pas à vous de venir mettre de nouvelles lois. Non, c'est inadmissible. Et le noir ne pourra pas accepter cela. Alors, pour éviter ça ouvertement, les critiques qu'ils font envers le peuple africain, puisqu'ils ne peuvent pas débarquer là-bas avec des soldats, mater les Africains pour dire, hey, ne faites plus des enfants, ils veulent se cacher derrière ce fameux truc vaccin. Ils veulent se cacher derrière ce fameux vaccin pour anéantir le peuple africain. Mais ils mettront toujours les Africains devant. Parce que quand ils vont débarquer là-bas, ce ne sont pas les blancs ou les blanches qui vont aller de village en village pour vacciner les Ivoiriens, les enfants comme grands, grands comme bébés. Ce n'est pas eux. Ils vont toujours mettre les fils et filles de la Côte d'Ivoire devant. Puisqu'il s'agit de salaire. Mais il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens qui ne travaillent pas. Ils vont leur dire, ah, par jour, si tu arrives à vacciner tel nombre d'individus, voici ce qu'on te donne. Fin de la journée. Mais ça aussi, ils seront heureux. Donc, eux aussi, ceux qui s'en vont vacciner là, eux-mêmes, ils vont aller vacciner même leurs propres proches. Parce que pour eux, ils sont mieux placés pour bien les convaincre rapidement. Comme ça, ils vont vacciner beaucoup d'individus, ils vont prendre des notes. Quand ils vont revenir le soir à 18h, on donne leur jeton. Or, ils vont ignorer les conséquences de cette vaccination, de cette campagne de vaccination qu'ils vont mener eux-mêmes. Donc, quand l'Ivoirien va voir son frère ou sa soeur ivoirienne, il ne peut pas voir un danger. Il va dire, enfin, médicament de corona est venu. Ils vont courir, waouh, se regrouper pour se faire vacciner. Ah, voilà le vaccin. Vaccin est égal à danger. Le noir ne va rien voir dedans. C'est ça le vrai problème. Donc, on leur demande de faire attention. Si ton frère noir ou ta soeur noire vient te vacciner, il vient là-bas pour dire, c'est un médicament contre corona. Demandez-leur de se faire vacciner eux-mêmes d'abord. Ils n'ont qu'à prendre le vaccin devant vous. Mais puisque eux aussi ils seront ignorants parce que ces blancs vont les mentir pour dire c'est un bon vaccin et tout, eux, ils ne vont pas prendre conscience en fait. Tout simplement, chassez-les de vos communes, chassez-les de vos villes, chassez-les de vos villages. Demandez-leur de repartir avec leur fameux vaccin. Est-ce que les Européens ont besoin de ce vaccin? En Amérique, il y a eu 1300 morts hier. Donc le peuple américain. Or, ils nous ont dit qu'il y a 3 millions d'Américains qui sont en danger et que cette maladie pourra causer assez de tort. Puisque aux États-Unis, il y a 27 millions d'individus qui ne sont pas sous la protection d'une aide, maladive. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire une assistance sociale, on ne les assiste pas. Donc, ils ne sont pas dans le système sanitaire qui pourra leur donner une protection au cas où il serait confronté à une maladie quelconque. Donc, 27 millions d'individus. Et le système sanitaire américain est un système pourri. Ce n'est pas à un haut niveau. Ils ont l'argent, mais ils ont un faux système sanitaire. Et les Américains sont livrés. C'est-à-dire, imaginons 27 millions équivaut à la population ivoirienne. Donc, c'est tout un pays qui est livré là-bas aux États-Unis qui est en danger. Donc, ces gens-là, s'ils sont en danger, ils vont faire comment pour se faire soigner? Or, aux États-Unis, dormir un seul jour dans un hôpital, ça fait 17 000 dollars. Ça fait combien? Équivaut au moins 10 millions, mes frères, ou 9 millions de francs CFA. Une nuit, tu vas à l'hôpital, tu es couché là-bas. Une nuit, tu dois payer au moins, imaginons, 10 millions ou 9 millions. Or, aux États-Unis, on connaît le nombre de pauvres. Ces gens-là n'ont pas d'argent. 27 millions d'individus qui sont pauvres aux États-Unis, qui meurent à longueur de journée parce qu'ils n'ont pas cet argent pour aller se faire soigner. Et donc, ces gens aussi ont besoin de vaccins. Mais pourquoi ils ne dirigent pas leurs vaccins aux États-Unis? Parce qu'ils savent que les Américains ne vont pas accepter. Ils savent que les Américains, ils connaissent ce qui est dans le vaccin. Donc, en aucun cas, ils vont accepter. Or, pourtant, le peuple américain est exposé à cette maladie. Et le peuple a commencé à mourir. Mais ils ne vont pas diriger leurs vaccins là-bas. Toujours, c'est l'Afrique.
Non, un système catastrophique. Mais l'Amérique aussi a un système catastrophique. Ce n'est pas parce qu'ils sont premiers économiques mondiales, puissance mondiale, que le système sanitaire est bon. Non, ils sont premiers économiques mondiales. Ils investissent tout dans l'armement. L'armement, la technologie numérique, c'est là-bas, ils sont forts. Mais quand on dit maladie, non, ils sont nuls. Ils sont nuls là-dedans. Voilà leur problème. Les hôpitaux où la technologie est à la pointe, c'est pour les élites aux États-Unis là-bas. Les pauvres n'ont pas le droit d'y aller. Maintenant, les pauvres eux-mêmes, ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà le vrai système aux États-Unis. Et tout le monde, c'est pas tout le monde qui travaille là-bas. Donc les gens sont livrés. Allez-y, faire vacciner ces 27 millions d'Américains qui sont livrés à eux-mêmes. Non, ils ne vont pas là-bas. On dit c'est l'Afrique. Or, pourtant, il n'y a pas encore assez de mots en Afrique. Hein. Et nous ne le souhaitons pas. Parce que nous avons nos plantes. Nous pouvons trouver l'antidote à travers les plantes, les arbres, les écorces. Les Africains pourront survivre. Parce qu'ils peuvent se faire soigner. Ils n'ont pas besoin d'un vaccin venant des Européens appelés vaccin Ebola, vaccin Corona. Vaccinez vous-même. Quand vous serez guéri, les Africains aussi ils pourront prendre exemple sur vous. Mais tant que vous mourrez et puis on vous voit, vous n'avez pas encore médicaments et vous allez nous proposer médicaments. C'est comme si un homme qui est impuissant, il est incapable de satisfaire sa femme au lit. Et c'est lui qui dit il a médicaments pour rendre l'homme fort au lit. Mais comment on peut prendre un tel individu au sérieux? Tu es incapable de satisfaire ta femme. Ta femme se plaint matin, midi, soir. Que non, elle n'arrive pas à prendre du plaisir parce que tu es incompétent. Et c'est toi maintenant qui viens. Non, j'ai un médicament pour rendre les gens compétents. Mais c'est que tu es un danger. C'est que dans ton médicament, là, on doit vraiment te poser des questions. Si ce médicament est destiné réellement à rendre les gens puissants au lit, ou bien c'est un médicament pour rendre les gens comme toi aussi tu es. Ah oui. Donc, on peut pas accepter cela. Vous souffrez ici. Vous souffrez ici. Ce sont les Africains même qui font des vidéos pour dire prenez tant, pour boire, pour éviter le truc, le corona. C'est nous-mêmes, on vous donne encore des idées. Et c'est vous qui êtes là, on a vaccin. Tu as vaccin. Va sauver d'abord ton peuple. Un individu, ses enfants meurent. Et c'est lui qui dit non, il a un médicament pour sauver enfin des gens, pour ne pas qu'ils meurent. Oh, pendant ce temps, lui-même, ses enfants, il sauve d'abord tes enfants. L'exemple, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, s'il y a un vaccin, commencez par vous-même. Soignez-vous, vaccinez-vous d'abord. Après, vous allez envoyer ça en Afrique. Vous n'avez aucun médicament ici. Au lieu de vous repentir, vous êtes là, vous parlez des vaccins. Repentez-vous. Avec toute la technologie dont vous disposez, vous êtes incapable de maîtriser cette maladie. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui est simple. Derrière cette maladie se cache la couleur de Dieu. Parce que Dieu peut frapper n'importe comment, à tout moment, quand il veut, comment il veut. Et personne ne peut empêcher cela. L'Amérique dont on dit elle est puissante, elle est confrontée à cette maladie, elle ne peut rien faire. Elle est obligée d'avoir l'aide des Chinois. Dont ils avaient déclaré la guerre commerciale. Mais aujourd'hui, l'Amérique a besoin des Chinois. L'Amérique a besoin des Russes qui subissent toujours des sanctions. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à cette maladie. Ils demandent de l'aide. Vous comprenez que tu peux être puissant, dis puissant, mais lorsque l'ennemi est visible, que Dieu envoie pour te châtier, lorsque tu es confronté à ça, mon frère, ta puissance se perd. Ce n'est pas l'argent qui guérit. Avec leur argent, ils meurent. Est-ce que vous comprenez? Leurs milliards qu'ils ont. Quand la maladie a encore 200 000 milliards de dollars, ils ont décaissé ça. Ils ont décaissé ça. 200 000 milliards de dollars pour lutter contre la maladie. Mais malgré ça, là, des morts chaque jour, ça s'aggrave. Eux-mêmes, ils sont paniqués. Ils sont obligés de demander de l'aide ailleurs. Ils ont leur argent. Si Dieu dit il va les châtier, il les châtie. C'est clair, ce n'est pas un débat. Quels que soient tes moyens que tu as, on n'achète pas la maladie avec un truc de l'argent pour dire, tiens l'argent, laisse-moi, je vais guérir. Non, si le système n'est pas de haut niveau, si les humains ne prennent pas leur cerveau pour travailler, avec ton argent, tu ne pourras rien faire. C'est comme si tu as tout l'argent, mais tu n'as pas la capacité intellectuelle pour fabriquer des choses.
mais tu ne pourras rien. Ton argent est là, mais tu ne peux rien faire. C'est comme si quelqu'un qui a des milliards, mais il ne sait pas construire une maison, est-ce qu'il peut avoir accès à une villa? Tu peux avoir tous les milliards et on te dit, bon, toi-même, il faut faire ce que tu veux avec les milliards, mais personne ne veut venir à ton aide pour construire la maison pour toi. Mais toi, tu disposes des milliards. Est-ce que tes milliards, si quelqu'un ne veut pas t'aider là, quelqu'un d'autre ne vient pas construire ta maison, ou bien, quelqu'un ne vient pas te donner coup de main pour construire ta maison afin que tu lui donnes de l'argent. Et puis on dit, bon, comme toi-même tu as tes milliards, construis la maison toi-même. Faut prendre tes 5 doigts là, ou bien tes 10 doigts là pour construire la maison. Est-ce que tu as la capacité de construire cette maison? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas construire cette maison toi seul. C'est pas parce que tu as l'argent que tu pourras aller mouiller ciment, mettre des briques pour dire tu vas construire duplex. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas ça. La tête d'abord. Voilà pourquoi quand tu as l'argent, il faut fonctionner avec quelqu'un qui a la tête et la technique. Vous deux, vous faites une puissance. Mais tu as l'argent, il n'y a rien dans la tête. Tu ne peux rien faire avec ton argent. Est-ce que vous comprenez? Répentez-vous. Répentez-vous. C'est très important. Ça, c'est la colère de Dieu. Ceux qui ne vont pas mourir aujourd'hui rendront gloire à Dieu. Parce que lorsque tu es confronté dans une telle situation, ceux qui disaient que Dieu n'existe pas, je pense qu'aujourd'hui, ils demandent Dieu pardon, éloigne-moi de coronavirus, éloigne-moi de cette maladie. Des gens ont commencé à reconnaître Dieu pour rester tout simplement en vie, pour ne pas qu'ils meurent. Parce que lorsqu'ils voient autour d'eux des gens qui meurent, automatiquement, ils se remettent en question et ils disent Dieu. Or, ces gens, avant l'arrivée de cette maladie, quand tu leur parlais de Dieu, il te disait que Dieu n'existait pas. Il te disait, oh, va, fou. Souvent même, ils deviennent très agressifs lorsque tu leur parlais de Dieu. Mais avec l'arrivée de cette maladie, quand tu leur dis, ah, mon frère, Dieu est fort, il dit oui, Dieu est fort. Parce que lui-même, il sait qu'avec son argent, l'hôpital ne peut pas le sauver. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital n'a pas les compétences intellectuelles et physiques, les compétences scientifiques pour sauver l'être humain. Donc, tu peux être un milliardaire. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Tes milliards ne pourront rien faire si coronavirus vient frapper à ta porte. Si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu ne pourras pas. Parce qu'aucun médecin de nos jours ne peut soigner coronavirus. Aucun médecin de nos jours n'a la capacité intellectuelle, humaine, scientifique, capable de trouver un médicament contre le corona. Il n'y a que la volonté de Dieu et la grâce de Dieu qui nous sauvent suite à cette maladie. Donc les milliardaires, eux-mêmes, ils comprennent qu'avec leur fortune, ils ne pourront pas acheter la guérison. Parce que les médecins sur qui ils comptaient, ils n'ont pas les compétences pour soigner cette maladie. D'où vient cette maladie? Question. D'où vient cette maladie? Et pourquoi cette maladie se répand partout? Et pourquoi cette maladie, malgré la faiblesse du système sanitaire africain, cette maladie refuse de faire des dégâts sur le territoire africain? Question. Peut-être Dieu ne veut pas châtier réellement les Africains et Dieu leur demande de se convertir. Peut-être Dieu est en train de châtier les grandes puissances par rapport à ce qu'ils ont fait à l'humanité durant tous ces temps passés, durant toutes ces décennies. Parce qu'ils ont mené des guerres, ils ont détruit d'autres nations, ils ont semé le chaos partout. Et donc, peut-être Dieu leur ramène la monnaie pour dire les gens que vous avez tués sur d'autres territoires, dans d'autres pays, vous aussi, vous allez mourir. Puisque ces pays sont impuissants pour venir tuer vos propres populations, vos peuples, moi, Dieu, j'envoie Corona pour éliminer votre population, pour vous châtier et vous demander de ne plus faire ce que vous aviez l'habitude de faire. Et que mettez-vous ensemble. À Caroline Angbe, elle dit la Chine distribue des Bibles dans leur pays. Or, c'était interdit avant. Le Cuba qui était sous embargo européen et américain, parce qu'ils ont toujours dénigré ce pays. Pays communiste, ils ont toujours insulté des dictateurs, ceci, cela. Aujourd'hui, ils sont confrontés. Ceux qui voulaient détruire le peuple cubain, ceux qui voulaient leur rendre la vie difficile, aujourd'hui, ils font appel à ce peuple pour dire, s'il vous plaît, venez nous aider.
Oh, ils se croyaient puissants hier parce qu'ils ont toute la technologie du monde. Oui, ils ont tout l'argent du monde, tous les milliards de ce monde. Ils contrôlent le monde, mais avec ce contrôle du monde, avec le mépris qu'ils avaient vers d'autres, aujourd'hui, ils sont confrontés à une réalité qu'ils vivent, mais qu'ils ne voient pas. Un ennemi qu'ils ne voient pas. Et ils sont impuissants. Leurs missiles ne pourront rien faire. Leurs avions ne pourront rien faire. Leurs bateaux de guerre ne pourront rien faire. Les scientifiques sont incompétents. Ils sont incapables. Et ils sont confrontés à une réalité, mais une réalité invisible. Et les gens même, ils sont obligés de demander aux gens qui méprisaient hier une aide. S'il vous plaît, venez nous aider. C'est ça Dieu. Ça aussi c'est l'œuvre de Dieu. Où le plus fort s'incline devant le plus faible pour lui demander pardon, aide-moi. Pourquoi tu demandes maintenant le plus faible, peut-être le plus faible, a les compétences que toi tu ignorais. Tu l'as trop méprisé, tu l'as trop tabassé, tu l'as trop vraiment déstabilisé. Mais lorsque tu es confronté à une réalité, que tu mets toute ton énergie en disposition de ton peuple, tu fais tout, mais il n'y a pas de solution, tu te retournes vers le faible pour lui dire, ah mon frère, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Voilà pourquoi on dit dans la vie, on ne sait jamais. Il ne faut jamais mépriser qui que ce soit. Parce que lui que tu méprises aujourd'hui, peut-être il sera ton sauveur demain. Les Chinois à qui ils ont méprisé. Est-ce que les Européens ne méprisaient pas les Chinois? Est-ce que les Européens ne méprisaient pas la Russie? Est-ce que les Européens ne méprisaient pas le Cuba? Mais ils ont traité ces pays de pays communistes, dictatoriaux. De pays sanguinaires. Ils envoyaient des sanctions. Et ils se croyaient les maîtres du monde. Ils cachaient que leurs systèmes sanitaires sont les systèmes les plus sophistiqués du monde. Et que la technologie vient de l'Europe. Et donc aucun autre pays au monde ne dispose d'une technologie comparative à celle de l'Europe. Et ils se vantaient partout. On a la meilleure technologie au monde. Mais Dieu, comme il ne doit pas, il veut leur faire voir la réalité pour dire parler. Et les faits, ça fait deux choses qui sont différentes. Vous pouvez vous parler. On a les meilleurs scientifiques. On a la meilleure technologie. Oui, le bon système. On a un bon armement. Le bon système sanitaire. Nous sommes éduqués. Nous avons tous les philosophes. Nous avons tous les chimistes. Nous avons toute la connaissance. Nous envoyons les gens dans l'espace. On contrôle. On a des radars. Nous avons des trucs, je ne sais pas, des satellites. On suivait l'humanité tout entière. Mais Dieu leur dit... Malgré tout ça, moi Dieu, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ceux que vous méprisez, c'est ceux-là qui viendront vous sauver. Aujourd'hui, ils sont obligés de demander à l'aide aux Russes. Qui avait imaginé un jour que les Américains allaient accepter une aide venant de la Russie pour sauver le peuple américain? Puisque la Russie n'a pas les moyens financiers. Les Américains, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils ont l'argent. Quand vous voyez leur armée, combien de dollars, combien de milliards de dollars qui sont investis là-bas? 750 milliards de dollars pour entretenir simplement l'armée. Ça fait l'économie de certains pays réunis que eux, ils donnent à l'armée. Quand la maladie a commencé, 200 000 milliards qu'ils ont décaissés pour lutter contre la maladie. Mais avec tout ça, Dieu dit non. Vous ne pouvez rien faire. Dieu dit non, vous ne pouvez rien faire. Ils sont obligés de demander. Donald Trump, il appelle Poutine. Est-ce que vous pouvez nous aider? La Russie dit oui, on peut vous aider. Et ils envoient des médicaments. Un avion cargo pour envoyer les médicaments et aider les Américains. Avant-hier, il y avait une cargaison de masques et d'autres matériel qui venait en France. Les Américains ont bloqué, ils ont payé ça, ils ont envoyé ça en Amérique. Et là, ils luttent maintenant. Les marchandises chinoises, les Chinois qu'ils ont tant méprisés, les Chinois qu'ils ont tant dénigrés, les Chinois qu'ils ont accusés que non, c'est des gens, c'est un bas peuple. Oui, la Chine regroupe un bas peuple. La Chine, on ne connaît rien. Et que la Chine vole la technologie européenne. Et que sans l'Europe, la Chine n'est rien. Aujourd'hui, ce sont eux qui savent lutter ce que la Chine fabrique. Oh, pourtant, ils ont toutes les usines du monde entier. Mais ils sont incapables. Et c'est Dieu qui leur fait subir cela.
Aucun pays en Europe ici ne peut défier cela. Eux tous, ils ont l'argent, mais ils sont incapables de relever le défi. Mais pourquoi? Et ils se séparent entre eux. Il y a des guerres entre eux. C'est Dieu qui est en train de les confondre. C'est mou sur eux. Et Dieu leur fait voir la réalité pour dire ce que vous pensez. Vous avez trop méprisé le monde entier. Vous allez subir. Et cette histoire de corona, ce sont eux qui subissent. Peut-être il y a un changement. Dieu est en train de faire quelque chose. D'ici, la maladie va finir. La Chine, peut-être, elle sera au même niveau avec les États-Unis sur le plan économique. Pendant que les pays européens sont confinés, leurs travaux, c'est-à-dire leurs entreprises, sont arrêtées. Leurs entreprises ne fonctionnent plus. Oui, les petites entreprises, comme les grandes entreprises, ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Et l'économie est en train de s'engloutir. Pendant ce temps, la Chine émerge. Parce que tout le monde demande l'aide de la Chine. Ils sont là payés des marchandises. Donc la Chine fait fonctionner l'humanité tout entière de nos jours. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe ou l'Amérique, la Chine fait fonctionner tout ça. Donc Dieu est en train de leur montrer que grâce à la Chine, vous avez pu sauver votre peuple. Donc dorénavant, lorsque vous allez retrouver la guérison, ne méprisez plus ces pays. Arrêtez les guerres que vous faites partout. Donc voici le message. Et je pense que beaucoup vont se convertir à Dieu. Ils ne vont plus mépriser parce que ceux qui ignoraient l'existence de Dieu, ils vont comprendre que Dieu existe vraiment. Parce que de nos jours, il faut prier pour survivre. Parce qu'aucun médecin ne pourra t'aider. Aucune piqûre au monde ne pourra t'aider contre le coronavirus. Il n'y a que des morts en désordre. Et ceux qui vont se convertir à Dieu, ils seront les sauveurs. Ils verront la suite de la calmie du corona. Si tu ne te convertis pas, mon frère, tu resteras. Ma soeur, tu resteras. Il est temps de te convertir. C'est le moment de devenir fidèle de Dieu. Donc, c'était l'incontournable, bien compris. Vive l'humanité tout entière, vive la solidarité entre les humains et arrêtez de faire les coups sournois pour détruire d'autres peuples. C'était moi. Ciao, on est ensemble.